Salut tout le monde! Ben voilà, je voulais vous présenter ma nouvelle paire de chaussures. C'est les Hoka Changer ATR4 cette fois-ci là que je viens d'acheter là. Donc elles ont l'air bien, hein. Elles ont l'air d'être avoir une bonne semelle aussi. Il y a de la place, je les ai essayées, il y a de la place pour les orteils, elles sont assez larges. Elles ont l'air d'être plus légères que les autres. Et surtout, elles sont polyvalentes, c'est-à-dire que je peux les utiliser aussi bien sur la route que sur du trail. Voilà. Bon, je les ai déjà essayées, hein, c'est pour ça qu'elles sont un peu sales, mais bon, je peux pas trop dire de conclusion. Je les ai essayées que sur 10 km, donc je les essaierai un peu plus longtemps et je vous ferai un test sur les chemins avec, en fait. Voilà. Donc on se dit à tout de suite pour un test sur les chemins. Ok, allez, tout de suite. Ok, voilà le test pour les Challenger ATR4 et Hoka. Une bonne petite paire de chaussures à un prix abordable. Elles sont un peu moins chères que les autres. Chaussures malgré tout avec une bonne accroche, un bon pare-pierre au bout et une bonne aération au niveau des pieds. En fait, je viens de passer dans une rivière là, et l'eau s'évacue bien. En fait, c'est mon chien que vous entendez là. Donc une bonne paire de chaussures qui accroche bien au pied et qui est assez polyvalente. On peut à la fois courir sur la route avec, parce que les crampons en dessous sont pas trop épais. Donc ce qui permet de faire à la fois du trail et de la course à pied sur route pour un semi ou un marathon. Ou un cross, tout simplement un cross en fait. Ok. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Coucou les amis. Bon, bah voilà, en cette matinée, je suis là pour faire le test de la Challenger ATR4, ma nouvelle paire de chaussures que voici, voilà. Donc, que dire sur cette chaussure? Elle a malgré tout, malgré son prix, elle a une bonne aération. Déjà, je vois. Là, j'ai couru dans l'eau avec et... Donc oui, je disais, j'ai couru avec et dans l'eau et malgré tout l'eau s'évacue bien. Elle a un bon petit mesh là. Au niveau du pare-pierre, ils l'ont renforcé par rapport à la Challenger ATR3. Et surtout, c'est que c'est une paire de chaussures qui est assez polyvalente en fait. On peut à la fois faire du trail grâce à ces crampons là. Et en même temps faire de la route, parce que c'est pas non plus des gros crampons, donc ce qui fait que ça va rester une paire de chaussures quand même pour des petits trails. C'est-à-dire faut pas s'aventurer à faire des gros trails avec ça, pas non plus partir en grosse montagne avec, mais pour faire des petits trails pas trop techniques, je pense que c'est une très bonne paire de chaussures. Voilà, allez, ceci marque la fin de cette vidéo. En espérant vous avoir convaincu d'acheter cette paire de chaussures. Enfin, pour moi, elles sont très bien comme toutes les Hoka, hein, de toute façon. Malgré tout, vous avez une bonne semelle, hein, et un bon amorti et tout. Donc, une très bonne paire de chaussures qui est assez polyvalente. Voilà, je pense. Allez, tata, à la prochaine!